Jeune et respirant la fraîcheur de son âge, Aya Nakamura est l'une des icônes mondiales de la génération montante musicale. Excellent dans le R&B avec une touche décalée et entraînante, la belle cumule plusieurs singles d'or et de diamants. Elle est d'ailleurs la deuxième star française après Edith Piaf à être considérée comme un monument aux Pays-Bas. Pourtant, la jeune dame de bientôt 24 ans est qualifiée, à tort ou à raison, par certaines personnes l'ayant côtoyée, de peu sympathique et compliquée. C'est ce qu'a avancé DSK, producteur et grand compositeur français d'origine ivoirienne qui ne ressort pas satisfait de sa collaboration avec la franco-malienne, Aya Nakamura. J'ai travaillé avec elle, elle est chiante. Elle a un très mauvais caractère, a-t-il révélé en exclusivité dans l'une des émissions phares de la radio Nostalgie. En dehors de ce grand homme de la musique qui a aussi collaboré avec de gros calibres tels que Booba, K-Harris, Wizkid, MHD, Arafat DJ et bien d'autres, elle a également laissé une passable image d'elle-même à certaines personnes lors de son passage à l'émission ce midi, il y a quelques mois. Elle était nonchalante, il faut le dire, et a nargué complètement le plateau. Tel est l'avis de quelques observateurs ivoiriens. Des circonstances atténuantes peuvent toutefois être concédées à la jeune femme qui est encore dans la fleur de la vingtaine même si elle est au sommet de la gloire. L'être humain étant perfectible, il ne reste qu'à espérer que certaines choses se